Salut les bouclettes, moi c'est Laurine, je suis la fondatrice de Label Boucle. J'ai fondé le Label Boucle en 2017 pour aider toutes les personnes à prendre soin de leurs cheveux ondulés, bouclés, frisés et crépus. Aujourd'hui, Label Boucle c'est une boutique en ligne avec plus de 250 produits naturels pour prendre soin de vos cheveux bouclés. C'est aussi une boutique et un salon de coiffure à Lyon spécialisé dans le soin des cheveux bouclés au naturel. Label Boucle c'est aussi une marque puisqu'on a créé notre premier produit avec toute notre passion et notre expertise pour prendre soin de vos bouclettes. Et c'est surtout une super équipe de 15 personnes qui sont passionnées par le soin des cheveux bouclés. Là, nous sommes en juin et nous sommes à Aix-en-Provence pour notre premier pop-up studio. Nous avons ouvert pendant une semaine une boutique et un salon de coiffure éphémère pour aller à la rencontre des bouclettes du Sud. Cet événement a été possible grâce à nos deux marques partenaires, la marque française Les Secrets de Loli et la marque américaine Desert Essence, dont je vais beaucoup vous parler dans ce reportage. On avait plusieurs objectifs avec le pop-up. Déjà, c'était de se prouver qu'on était capable d'amener notre expertise dans d'autres villes parce qu'on a l'ambition d'ouvrir des boutiques et des salons de coiffure partout en France. On voulait aussi partager une semaine unique avec notre équipe pour les remercier de leur implication, de leur motivation et de tout leur super travail qui vous aide à décomplexer de la boucle. On a donc loué une grande villa et on vit tous ensemble à 15 depuis une semaine. Toute l'équipe s'entend vraiment super bien et il n'y a personne qui s'est encore tapé dessus. Dans ce reportage, vous allez donc pouvoir voir les coulisses de notre équipe. Mais on voulait aussi vous faire découvrir des marques avec des belles valeurs qui prennent soin de vos cheveux bouclés au naturel. Donc bienvenue dans ce premier épisode de notre reportage sur notre pop-up studio à Aix-en-Provence. J'espère que ça va vous plaire. C'est un peu le bazar, il faut que ce soit beau quand ils arrivent. On va faire tout beau, tout beau. Ouais, ils vont arriver d'ici une heure, je pense. Ouais, tout le monde. Oh. On dirait que j'ai fait ça toute ma vie. Ouais. On a le petit avant, assez mignon, c'est exclusif. Et le derrière. On va les mettre chacun dans leur chambre, comme ça ils auront leur petit produit avec toutes les marques, les petits pulls Label Boucle. C'est bon, j'ai les pulls. Ok, super. Il va manquer les papiers aussi. Dimanche, le premier jour, une partie de l'équipe était déjà sur Aix pour préparer l'arrivée des autres personnes de l'équipe Label Boucle. On a donc préparé la villa, on avait plein de surprises pour eux, plein de cadeaux. C'était trop bien de préparer les chambres tous ensemble. Alors là, bah, du coup, il y a le reste de l'équipe qui va arriver et on prépare les chambres. On a reçu plein de petits cadeaux de nos marques préférées. Donc voilà, toute l'équipe va être trop contente. On a des petites crèmes pour le corps, des petites huiles et tout. Donc voilà, on prépare l'arrivée. Les mères Noël. C'est ça, en plein été. Les mères de l'été. Tout le monde est arrivé, c'était déjà la fête dès le début, on était trop contents de se retrouver et super excités à l'idée de passer cette semaine ensemble. Oh my god, c'est trop beau. Oh my god. On a trop adoré voir leur sourire quand ils ont découvert leur chambre avec tous les cadeaux qu'on avait préparés et l'accueil qu'on leur avait réservé. Queen, 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 que
la main. Ça, là. C'est un truc de taré. Incroyable. Il est trop beau. Incroyable. Gelée rafraîchissante après soleil, mais incroyable. On les a accueillis d'abord avec un brunch aux couleurs de la marque Les Secrets de Loli. Tout était rose, plein de paillettes, avec plein de ballons, et on a super bien mangé. C'est trop bien de pouvoir réunir toute l'équipe aujourd'hui. C'est rare qu'on puisse partager un moment comme ça tous ensemble, et ça promet le début d'une semaine incroyable. Donc voilà, trop contente d'être avec toute l'équipe aujourd'hui. Je suis très contente que ça soit enfin réalisé et que tout le monde soit trop content et tout, ça me fait plaisir et puis je me rends compte de tout le travail que j'ai fait et c'est cool. Alors là du coup on va commencer à préparer le pop-up, on va commencer à tout installer, on va monter les meubles, on va amener les produits. Et puis bon, on va tout décorer quoi. Et c'est parti pour demain. Ça va être short. Il va bien falloir qu'on bosse parce qu'on n'a pas beaucoup de temps, mais ça va être cool. Et puis après le brunch, on avait plein d'énergie, on avait bien mangé et donc on a passé l'après-midi à préparer le salon de coiffure, la boutique, pour être sûr de pouvoir bien vous accueillir pendant toute la semaine suivante. Pour pouvoir vous proposer tous nos produits préférés à la boutique à Aix-en-Provence, il y a l'équipe logistique portée par Alexis alias Monsieur Belboucle qui a travaillé dur et qui a sué dans l'entrepôt logistique, mais pour être sûr qu'on avait vraiment tous les produits à vous proposer. On peut déjà nous emmener des trucs. Ouais. Bon, là ça va être tendu mais on va y arriver. Ok. Moi je pensais empiler ça sur. Ok. On a 4 heures pour faire le pop-up parce que sinon après ça va être trop long. Il y avait la carte. On travaille chez Ikea. Là, en fait, on a pris les produits pour aller remplir la boutique. On a toutes les trousses, on a toutes les. Ouais, tous les. On a toutes les premières références qu'on va emmener du coup à la boutique. Ça va. Là, je suis en train d'installer le salon de coiffure. Je prépare tous les ciseaux, tous les sèche-cheveux, les serviettes. Je prépare les postes pour que tout le monde soit à l'aise pour coiffer. Super à café. Moment de vérité. Laura ? Oui. Oh, waouh, ça tient pas, c'est pas stable. Ah. Je trouve que c'est pas très stable. Ou pas ? Effectivement. Il n'y a pas de plan B. De toute façon, elles vont pas s'appuyer, elles vont prendre les produits. Elles vont pas toucher l'étagère. Il n'y a pas de souci. Là, ça va être l'espace boutique. On a 4 étagères. Il y en aura une qui sera pour les produits lavants, une pour les produits coiffants et une pour les produits où ça soigne les cheveux, les types masques, etc. Et après, on aura une étagère pour tout ce qui va être accessoire.
Donc les chouchous, les vaporisateurs. Est-ce que j'ai plus de monde, je sais pas. Je pense que ça va être un fail, celui-là. Roman ? Oui ? Quand j'ai un problème, j'appelle toujours Roman à la rescousse. Voilà, quand j'ai un problème, j'appelle toujours Roman. J'espère que vous appréciez ce reportage. C'est un moyen pour nous de partager un peu avec vous quelques morceaux de souvenirs et de nos coulisses chez La Belle Boucle pour que vous puissiez encore mieux connaître notre entreprise, notre équipe, nos valeurs et notre passion. Ça a été beaucoup d'efforts, beaucoup de sueur parce qu'il faisait très très chaud à Aix-en-Provence, mais toute l'équipe était hyper fière et hyper motivée de ce qu'on avait réussi à réaliser ensemble. On en peut plus. On en peut super plus. Chaud. Franchement, il fait super chaud, mais il fait combien de degrés? Il fait 35 degrés, non? Ouais, il fait ressenti 36, je crois. Et nous ressentons pas mal de taf en plus. Ouais. Merci beaucoup d'avoir suivi cette journée. Rendez-vous dans le prochain épisode pour découvrir encore plus de choses sur cette belle semaine à Aix. N'hésitez pas à nous suivre sur Instagram, sur La Belle Boucle et La Belle Boucle Studio. Vous pourrez retrouver tous mes conseils pour prendre soin de vos cheveux bouclés, mais aussi suivre toutes nos prochaines aventures et ne pas manquer notre actualité. Merci beaucoup d'avoir suivi cette journée. Rendez-vous dans le prochain épisode pour découvrir encore plus de choses sur cette belle semaine à Aix.